On apprend à se connaître vu qu'on n'a jamais joué ensemble et tout. Je trouve que ça va. Après, faut qu'on travaille encore. Il y a des choses à travailler, comme la défense, comme tout dans l'attaque et tout. Mais sinon, franchement, je trouve qu'on a une bonne petite équipe. On peut faire quelque chose cette année avec cette équipe. Je pense bien, ouais. Allez, bonsoir Mathéa, présente-toi. Bonsoir tout le monde. Je suis Mathéa, j'arrive de Croatie. Je joue à Arras pour un an. Et maintenant Calais et Angers pour 2 mois. T'aimes bien la France ou pas? Oui, j'adore France et j'adore toi. Merci. Mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, moi, je suis rennaise de base. J'ai évolué jusqu'à mes 20 ans à Rennes. Ensuite, j'ai joué 2 ans à Aix-en-Provence. C'était en Ligue féminine à l'époque. J'ai évolué 2 ans à Reims, 1 an à Dunkerque, 2 ans à Limoges et puis... depuis cette année, Calais. J'avais adoré mon année dunkerquoise, notamment il y a 3 ans. Et j'aime beaucoup l'esprit, l'état d'esprit nordiste. Plutôt. Et j'aime les gens ici. Et c'est vrai que j'ai eu un bon feeling avec le coach, notamment. Et ça s'est fait naturellement. Et puis je retrouvais 2 anciennes coéquipières. Donc c'est vrai que c'est appréciable de revoir des têtes qu'on connaît déjà. De Dunkerque, Anso Panier et Anaïs Vial, ouais. Donc au niveau du rythme, on commence progressivement à être dedans, donc à être bien dans l'intensité. Après, c'est vrai qu'on se cherche encore sur le terrain, donc c'est pas très fluide. Enfin, ce soir, on a eu de la réussite, donc c'était peut-être plus appréciable à regarder. Mais je le sens bien, l'équipe tourne bien, l'état d'esprit est très bon, et il y a une bonne ambiance de groupe. Donc je pense que ça laisse présager de bonnes choses pour la suite.